Enchanté. C'est ici. Une belle apothicairerie est conservée depuis le début des années 1980 au nouvel hôpital de Villefranche. C'est la première apothicairerie créée dans la région à la fin du XVIIe siècle. Elle est remarquable par le travail du bois et de la qualité de ses faïences. Qu'on ait mis en place une apothicairerie avec ce décor, ce soin, pour une vingtaine de lits seulement à cette époque, est vraiment bluffant. L'histoire commence au début du XIIe siècle. Un établissement destiné aux plus démunis est créé au centre de la ville. Il accueille les malades, les infirmes, les enfants abandonnés et les femmes en couche. C'est l'hôpital de la Pêcherie. Cette niche était rue nationale à l'emplacement de la Pêcherie. C'est une magnifique flèche gothique qui est de la même époque que la façade de Notre-Dame-des-Marais, c'est-à-dire le fin 15e, début 16e, où elle s'est trouvée jusqu'en 1903, où elle a été démontée. Au-dessus de cette niche se trouvait une sculpture d'un pélican. C'est un symbole qui a été utilisé depuis le plus haut Moyen-Âge. Le pélican, en fait, tape sur son poitrail pour régurgiter les poissons qu'il a mangés pour donner à manger ses petits. Donc c'est le symbole de la charité, c'est le symbole du Christ qui se sacrifie pour les hommes. La niche et son pélican ont été démontés en 1903, mais ce sont toujours les derniers vestiges de l'emplacement de l'ancien hôpital de la Pêcherie qui est du XIIe siècle. C'était une petite maison assez basse, un seul étage, une seule chambre. Et donc, très vite, on a éprouvé le besoin de créer un nouvel hôpital. Pendant que l'hôpital de la Pêcherie accueille les malades et les pauvres de la ville, un établissement hospitalier est fondé à l'extérieur, à 500 pas de la porte de Belleville, pour s'occuper des malades étrangers. C'était un bâtiment assez grand. Il y avait une église et un petit cimetière autour. Et donc là, on commence à accueillir aussi beaucoup de pèlerins, parce que c'est vraiment l'époque où tous les pèlerins passent par Villefranche, comme Villefranche était sur la grande route, ce qu'on appelle Paris à la Bourgogne. Quelques années avant la Révolution, l'endroit est devenu le lieu de sépulture de la ville, et cela jusqu'en 1860, où on décide de créer un nouvel emplacement pour le cimetière un peu plus à l'ouest, où il se trouve encore aujourd'hui. En 1456, un accord intervient entre les échevins de Villefranche-sur-Saône et le procureur des pauvres du pays Beaujolais, stipulant que les habitants de Villefranche-sur-Saône atteints de la lèpre doivent être accueillis à la maladière. La bâtisse de 14 chambres sert ensuite de refuge aux voyageurs et aux vagabonds et devient un lieu de pèlerinage sous l'égide de Saint-Lazare pour la santé des bêtes et notamment des volailles. Les bâtiments de la maladière se trouvaient à 1 km de Villefranche sur le territoire de Lima. Les derniers vestiges et le pèlerinage ont disparu au début du XXe siècle, ne laissant que le nom de la rue de la Maladière pour rappeler cet antique établissement hospitalier. Ici, en 1536, à l'est de la ville, au bord du Morgon, on construit un hôpital. C'est un grand bâtiment doté d'une chapelle, clos d'un mur de 3,50 m. Il est édifié à la place de cabanes en planches destinées aux pestiférés expulsés de la ville le temps de la quarantaine.
Cet établissement, comme son nom l'indique, permet de mettre à l'écart les étrangers une quarantaine de jours, le temps de lever le doute sur une éventuelle infection. On croit à la théorie des miasmes. Et pour se protéger, on porte un masque de peste dont le bec peut contenir des fleurs séchées, des herbes ou des épices. En 1721, deux marchands se présentent à la porte de Belleville avec deux chevaux, transportant des marchandises non plombées, donc suspectes. Ils sont emmenés en quarantaine et leur marchandise est brûlée. L'hôpital est finalement vendu à des blanchisseurs en 1728, la peste n'étant pas réapparue pendant plusieurs années. La notion de soin est une notion assez récente. Avant le XVIIe siècle, un hôpital ou un hôtel-dieu, c'était surtout un endroit où on isole les gens. Il y a plusieurs catégories de soignants: le médecin, le chirurgien et le barbier. C'est vrai que maintenant, la dénomination de barbier, on a tendance à croire que c'est celui qui fait la barbe, la moustache, etc. Il le faisait, puisque c'était en fait le barbier s'occupait en fait tout ce qui était l'extérieur du corps. Donc il rasait les gens, bien sûr, mais il faisait aussi les saignées. Jusqu'au XVIIIe siècle, une partie infime de la population leur fait appel. L'immense majorité continue de se soigner de manière traditionnelle, avec des plantes et des formules, qu'on se transmet de génération en génération. On s'en remet aussi à la religion, en invoquant le pouvoir guérisseur des saints. Et on exerce encore les vieilles pratiques issues des cultes naturalistes qui remontent plus loin encore. On va boire à la fontaine. On se frotte contre une pierre. On plante un clou dans un arbre. C'est pour transférer le mal. Au XVIIIe siècle, les médecins commencent à écrire des formules pour se distinguer des pratiques populaires. On fait des expériences, on voit comment les organes fonctionnent. La médecine commence à évoluer. À Villefranche, deux médecins de l'Hôtel-Dieu Gontard et Morel comptent parmi les précurseurs de la Société royale de médecine. Ils sont chargés d'observer la météorologie au jour le jour et établir une correspondance avec les symptômes des malades qu'ils rencontrent. Un peu plus tôt, au milieu du XVIIe siècle, l'administration de Villefranche avait fait appel aux sœurs de l'ordre de Sainte-Marthe des Hospices de Beaune pour organiser l'Hôtel-Dieu de Villefranche. Je vous présente le costume des dames hospitalières comme elles l'ont porté pendant des siècles. Alors ce costume comporte un habit bleu, c'était le vêtement d'hiver. Et ensuite on met le hennin qui est en fait un rectangle de tissu très fin, très fortement amidonné. Et je crois qu'elles avaient, certaines m'ont dit, 40 épingles à mettre pour que tout tienne comme il faut. L'habit des dames de condition du 15e siècle a servi de modèle au costume des dames hospitalières. Les sœurs ont ainsi été habillées de la même façon pendant des siècles. Elles avaient une grande cornette, un grand habit bleu et un tablier blanc dessus. Elles étaient habillées en religieuses, c'était les religieuses de Sainte-Marthe, l'ordre de Sainte-Marthe. Elles travaillaient à l'hôpital de Villefranche
avec toute la tradition, si vous voulez, des religieuses hospitalières, qui ont quand même fondé quelque part en France de grands nombres d'hôpitaux. Elles avaient une part importante dans les prises en charge, dans les soins, depuis le Moyen-Âge, je pense. Le service du malade était premier, et que ce service du malade devait être fait par amour de Jésus-Christ, avec tout le respect dû à une personne de haut rang. Tous les hôpitaux ont été construits un peu sur le modèle de Beaune, c'est-à-dire avec une chapelle centrale et des services qui donnaient sur la chapelle. Alors Villefranche était construite de cette manière-là. Moi j'ai connu l'époque, c'était de 72 à 77, où les lits s'étaient boxés. Il y avait des parties, ce qu'on appelait les convalescents, etc. C'était boxé. Mais la chapelle était centrale et tous les services rayonnaient et donnaient sur la chapelle. On faisait 6 heures, 2 heures, 2 heures, 10 heures. On n'avait pas beaucoup de temps, on avait droit à venir écouter la messe, la chapelle étant ici, et on avait droit de monter dans la tribune. Mais malheureusement, le matin, on n'avait pas beaucoup de temps pour venir à la messe. Donc là, on a un herbier qui date du milieu du XVIIIe siècle, qui s'est assez bien conservé, bon, qui est très très fragile bien sûr, parce que les plantes se sont séchées. Chaque communauté avait un petit peu son botaniste, et puis les sœurs à Villefranche avaient un jardin qui était la place de la sous-préfecture, la place des Arts aujourd'hui, un petit jardin. Donc on faisait pousser un petit peu les plantes médicinales, toutes les plantes dont on avait besoin. L'apothicairerie, c'est une manière un petit peu de figer des habitudes, des usages. Parce que si on regarde bien tous les pots, je veux dire, il y a des minéraux, il y a même des extraits animaux, puis beaucoup de plantes, bien sûr. Et donc, on retrouve les noms un petit peu de ces plantes sur les pots. Mais autrefois, je veux dire, depuis la préhistoire, on se soigne avec des plantes, avec des recettes plus ou moins efficace, et c'est un petit peu ce qu'on appelle la médecine empirique, c'est-à-dire que c'est l'expérience, quoi. On essaye une plante, ça marche pas, et puis on se le transmet de génération en génération. J'avais 23 ans, j'étais jeune. Je ne savais pas que j'allais succéder à une sœur, enfin aux sœurs qui avaient exercé depuis plus de 300 ans dans cette activité. Elles avaient une vraie connaissance de l'art de la préparation. Et donc, quand la sœur apothicaire arrivait à un certain âge, elle prenait une autre sœur qu'elle initiait à l'art de ce qu'on appelle la galénique, hein, l'art de la préparation. Donc, ben, elle faisait diverses préparations, des onguents, des sirops, des potions, des pommades. Quand on parle de médicaments anciens, on pense automatiquement aux plantes. Alors que, bien sûr, les plantes étaient fort employées, elles sont illustrées ici par tous les tiroirs à plantes de cette apothicairie, mais on utilisait les trois règnes, végétal, animal et minéral. Les sœurs fabriquaient non seulement pour les malades de l'Hôtel-Dieu, mais pour l'extérieur. Donc il y avait une partie de charité, donc elles donnaient leurs médicaments aux plus pauvres, mais faisaient payer largement le bourgeois, si je puis dire. Et donc c'était une source de revenus importante.
Autrefois, l'hôpital était vraiment implanté dans la ville, dans la cité, et il faisait vraiment partie de la communauté urbaine. Parallèlement, au sein de l'hôpital, il y avait la communauté religieuse, la communauté des internes, et je crois que cet ensemble se ressentait sur le soin. On pourrait dire le résultat en était une prise en charge plus globale, une prise en charge du soin plus communautaire. Dans le vieil hôpital, il y avait à la fois le rôle de soin, mais un rôle social qui était, c'était quand même l'endroit où c'était allumé à 23h, à minuit, 2h du matin, on rentrait, on venait trouver une réponse à un problème à l'hôpital, si vous voulez. Alors les internes vivaient dans une petite communauté, parallèle à la communauté des sœurs, qui était peut-être une communauté plus joyeuse, et beaucoup d'internes logeaient à l'hôpital avec leurs femmes et leurs enfants. Oui, oui, c'était ce qui amenait une grande permanence aussi, si vous voulez, une grande présence. Là, c'était le centre de Villefranche. Il y avait tous les gens qui venaient après le marché couvert. Moi, j'ai connu ça. Il y avait même des gens qui venaient apporter leurs œufs pour vendre les œufs dans le service. Et ça, dans l'ancien hôpital, c'était possible. Dans le temps, ils avaient les lits à baldaquin, alors ils se faisaient apporter des bouteilles de vin, et c'était interdit. Et alors, ils mettaient les bouteilles de vin derrière les lits. Alors, de temps en temps, quand on balayait, ben, on faisait tomber les bouteilles, parce que nous, on allait vite, on n'avait pas vu la bouteille. Eh bien, il y avait des animaux, ça, c'est la première chose qui... Et oui, ils avaient le droit d'avoir leur chien, leur chat. Et donc, si vous voulez, j'ai dit, mon Dieu, là... Je n'avais pas tout compris. Je dis, mais pourtant, je n'ai pas quitté l'hôpital. Je suis bien toujours dans les mêmes murs. Et donc, d'un coup, j'avais perdu 100 ans. 56, 58, on a comblé le Morgon. Et les rats, ben, ils ont afflué. Ils arrivaient, comme c'était à fleur de machin, ils ont été un peu... Bon, après, il y a eu la dératisation. Et il est vrai que dans la salle des blessés en bas, les rats venaient manger dans les tables qui étaient à tiroir. Là. La nuit, ils venaient manger un petit peu, hein, bien sûr. C'est vrai que c'était pas très hygiénique, mais ma foi. Le travail était assez dur parce que la médecine n'avait encore pas évolué. Une jambe cassée, on restait étendu pendant un mois et demi. Les lits ici, bon, c'était des grandes salles où il y avait 30 lits dedans. Et en dessus, il y avait une salle qui était le Sénat, c'était les opérés. Et il fallait surveiller les opérés qui arrivaient du bloc. Et n'ayant pas beaucoup de formation, c'était quand même une grosse responsabilité. On avait une traumatologie qui était impressionnante, si vous voulez. Hein. Les pompiers nous apportaient les blessés d'accident. Ils les mettaient en ligigogne dans leur camion pompier. Et quand vous aviez deux blessés graves, deux, trois blessés graves, ça devenait vite acrobatique. Et comment accueillir trois blessés graves quand de toute façon vous avez trois couchettes, donc il fallait sortir tout de suite, on sortait les pas graves dans le couloir et on leur disait ben, les autres ont priorité. Et donc on a eu quand même pendant longtemps cette inadéquation avec ce qui arrivait, si vous voulez, comme pathologie grave, hein, et la difficulté à la prendre en charge. Actuellement, il n'y en a plus de traumatologie, il faut être honnête, hein, il n'y a plus de traumatologie, et mes jeunes confrères ne sauraient plus comment prendre en charge un polytraumatisé qui arriverait, qui serait fait écraser dans une voiture. Alors qu'à l'époque, on en avait 2, 3, 4 par semaine, si vous voulez. C'était impressionnant. C'était un carnage, il faut être honnête, c'est un carnage routier. Quoi. On travaillait sans gants. Et puis la manipulation des seringues en verre, c'était quelque chose. Si on ne tenait pas bien le piston, si c'était un... Bon. Ça a vraiment été un grand, grand changement. Très vite, le plastique a été super. Pour les choses très importantes, on prenait des gants, mais autrement, on travaillait à main nue. Même les chimios qu'on faisait, on a préparé des chimios sur les paillasses, qu'on appelle ça dans les salles de soins, à l'air libre, sans aucune protection. On faisait une médecine qui était différente, il faut être honnête. On faisait une médecine où, vous savez, pour faire un diagnostic, il fallait tourner autour du malade, il fallait le toucher, il fallait le voir, il fallait lui parler quand il pouvait parler, il fallait aller chercher l'information. C'était une médecine comme j'avais appris quand j'étais petit. La qualité des soins et la prise en charge des patients s'est trouvée progressivement améliorée avec l'évolution de la médecine, qui s'est faite progressivement avec l'implantation dans l'hôpital du laboratoire, le développement du service de radiologie, l'individualisation
des services de réanimation. Et rapidement, j'ai créé 4 lits de surveillance continue, où on a mis des malades sous respirateur, des malades plus graves, avec une infirmière affectée pour ces malades, enfin bref, une organisation technique et humaine qui s'est faite autour de ces malades. Ça, ça nous a amené jusqu'au déménagement, parce que quand on arrive au déménagement, le besoin était créé, si je puis dire, les patients existaient, ils étaient là, et donc au déménagement, on a déménagé la philosophie de ces 4 lits. On était un peu vraiment dans l'esprit de l'Hôtel-Dieu, un peu, je n'irais pas dire à Rabelais, mais un tout petit peu quand même. Donc il fallait que ça change. Voilà, il y avait, c'était, et il y a eu ce tournant, c'est vrai que novembre 82, le déménagement, ça a été le tournant, ça a été pour la population, pour les, enfin tout a changé. Donc, le déménagement a duré à peu près sur une journée. Les patients ont été évacués par les pompiers, l'armée est venue. Il y avait les ambulances qui couraient dans tout Villefranche, c'était impressionnant. Donc tout était prêt pour recevoir les patients. C'était fin, je crois que c'était fin novembre 82. Hein. Voilà. Et nous, je m'occupais donc du matériel. Et le matériel avait été, on a tout étiqueté les semaines avant, tout préparé. C'était un grand, grand moment. C'est un lieu de souffrance et de dévouement, agrémenté de quelques bons moments quand même. C'est ce que me rappellent ces murs en me disant, moi je les ai vus vivre. On n'est plus du tout sur des murs. Alors c'est vrai que c'est très bien de les avoir gardés, c'est très bien de les montrer, mais moi je les ai vus vivre.